Togo Info, le Togo à votre portée. C'est à qui? Moi, tout d'abord, je voulais remercier le ministre de la Culture pour l'information qu'ils ont fait passer. Mais ma première question est que, est-ce réellement cela vrai? À quel moment peut-on parler de reconversion d'un artiste? On ne comprend rien là. Parce qu'il ne nous propose pas ce qu'on appelle développement personnel, il ne nous propose pas ce qu'on appelle l'esprit d'entrepreneuriat, il ne nous propose pas ce qu'on appelle formation modulaire. Mais c'est quoi? C'est le thème qui leur a échappé. Comment peut-on dire un artiste, lui qui est chargé du rayonnement de la culture, lui qui est chargé de la promotion de la culture, lui qui est chargé de protéger des différents corps du secteur culturel? À quel moment peut-on se reconvertir? On ne comprend rien du tout. Là, il faut qu'il nous explique. Il faut que tu démissionnes si cette information est vraie. Parce que mais tu es notre espoir. Moi, j'ai vu ton discours à l'Institut Gautier, mais j'étais ébahi. Mais qu'est-ce qui se passe? Si c'est le thème que vous voulez nous chercher, que cela soit conforme au Covid-19, pour nous former d'une autre manière, ouais, chercher les parleurs de français pour qu'on puisse nous parler. Mais quand vous nous parlez de reconversion, et tout le temps le ministre, mais il faut que tu démissionnes. Ça ne nous honore pas du tout. Il faut que tu démissionnes. C'est un travail de longue haleine que tes autorités qui t'ont mis là, que les artistes ont fait, bien que tu n'arrives à ce poste. Donc, quand tu nous parles de la reconversion, on ne comprend rien du tout. Ça vous a échappé ou quoi? Expliquez-nous quelque chose, parce que c'est hallucinant que cette information passe sur les réseaux sociaux. Mais dites-nous quelque chose, monsieur le ministre, parce qu'on veut votre discours officiel pour nous dire que c'est faux ce qui se passe. Reconversion à Allah, ça n'existe pas. Donc tu dis aux chrétiens de ne pas voir l'existence du Christ. Mais c'est quoi cette histoire? On attend les excuses du ministre de la Culture, si cela a échappé. Salut.